Les Pieux des Jeunes, c'est une initiative du GHM et de la région Rhône-Alpes pour favoriser l'accès des jeunes à la pleine montagne, peu ou pas aménagée, où on peut vivre des expériences simples. Donc aujourd'hui, on est allé sur le glacier d'Argentière pour faire du ski de rando, parce qu'on ne peut pas faire de goulotte sur le massif derrière l'aiguille. Donc voilà, ça fait 1000 mètres de dénivelé à peu près. C'était assez tranquille. Alors le camp de base actuel des Pieux des Jeunes, c'est au pied du Mont Blanc, à Chamonix, parce qu'on pense que, bon, évidemment, le Mont Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe. C'est pas facile d'accès, c'est quand même économiquement pas évident. Et on permet à tout un tas de jeunes, donc au total, avec les encadrants, il y a plus de 220-230 personnes, d'accéder à cet univers qui est l'univers de rêve. Hein. C'était énorme. Ah, le paysage magnifique. Bah, la montagne, c'est beau, quoi. Enfin, ouais, on se disait qu'il y avait vraiment des voies qui étaient renommées de partout. Et ouais, c'est aussi pour ça que la Vallée Blanche, elle est vachement connue. C'est qu'il y a des voies mythiques de partout. Enfin, on voit tous les sommets de tout Chamonix. On a vu le Cervin et tout. Donc vous allez peut-être revenir, alors. Ouais, on aimerait bien, ouais. Donc, les Pieux des Jeunes ont lieu tous les ans en fin de saison d'hiver, début de saison. C'est la transition avec l'été, en mai, début mai, mi-mai, à l'époque où on peut faire à la fois du ski, à la fois de l'alpinisme, à la fois de l'escalade, si les conditions le permettent. Donc aujourd'hui, on a fait le col de l'Argentière, une bonne partie de plaisir. Une bonne journée. Une bonne journée de soleil. On est arrivé au-dessus de la mer de nuages, ouais. Grand beau, on pétait de chaud, mais c'était super. Ouais. Donc pour cette première journée, on a eu de la chance en partie, puisqu'il faisait bon en altitude. Donc on a pu distribuer un petit peu, et c'est la logique de l'alpinisme, hein, c'est pas de s'entasser à un endroit, les différentes cordées ou groupes dans le massif du Mont Blanc, au cœur du massif, en accédant par l'aiguille du Midi ou par l'aiguille des Grands Montées. Donc on a eu des groupes en ski de randonnée, des groupes qui ont découvert le massif en descendant la Vallée Blanche, on a eu des groupes qui ont fait de l'alpinisme à la Petite Verte ou à l'arête des Cosmiques en revenant vers l'aiguille du Midi. Au plan de l'aiguille, on avait une dizaine d'ateliers pour qu'ils découvrent les différentes facettes de l'alpinisme de façon un peu ludique et sans engagement trop important. Il faudrait que chacun ait un DVA. D'accord ? Un DVA, c'est donc un détecteur de victimes d'avalanche. Il y a plusieurs marques, hein, de DVR. Mais après, on se rend compte aussi, parce qu'il y a un minimum de matériel dans le groupe, qu'il faudrait idéalement que vous ayez un DVA, une pelle et une sonde. Alors, comment ça s'est passé? Oh, c'est fatigant. Il est lourd, hein. Mais t'as fait quoi, en fait? Bah, on a dû sortir de la crevasse. Est-ce que vous savez quel type d'avalanche, justement, on a tendance à voir quand on a des accidents d'avalanche? Quand on a ces cassures-là, ça veut dire qu'en fait, on a une plaque de neige qui est partie. Tu vois la demi qui ne plus Les glissades. Ouais, les glissades. Comment apprendre à se freiner quand on glisse et, avec la corde aussi. Ouais. On devait simuler une chute. Donc on glissait. Et il y avait un de nos camarades qui nous arrêtait. Avec la corde. Avec la corde. Quand on est chef de cordée, quand par exemple, il y en a un qui passe au-dessus de nous pour accrocher un piolet, s'il tombe, pour l'arrêter avec la corde. Le problème, c'est qu'en bas de cette panne, il y a une barrochette, il faut absolument vous arrêter. Donc on va voir comment s'arrêter. Hop ! Voilà, ouais, bien. T'as bien réagi. Les ateliers que vous avez préférés ? Le monter à la corde. Ouais. La remontée sur la corde fixe ? Ouais, ça sert à la remontée. Et tu montes la poignée en te tirant main gauche. C'est ça qui va te bloquer. Tu pousses sur le pied. Donc on a notre corde pour évoluer sur le glacier. Donc quand on se promène sur le glacier, il y a un risque de chute dans des crevasses. Donc on s'encorde suffisamment loin l'un de l'autre pour que si un tombe dans une crevasse, l'autre le retient. Faire un tour d'horizon de ce qu'on utilise comme matériel, ce qu'on appelle en terrain d'aventure. Certains endroits où il y a des fissures qui sont large même plus, et qu'on peut mettre ce genre de frein. Donc les Pieux des Jeunes s'adressent à des initiatives, des clubs, des lycées, des collèges,
qui amènent des jeunes en montagne ou qui ont l'intention de le faire. Donc ça peut être déjà des initiatives existantes et on souhaite les valoriser, les promouvoir, les faire échanger entre elles, ou alors des nouvelles. Par exemple, si un club de ski ou qui fait surtout du ski de piste veut se mettre au ski de randonnée, on pourra les aider, les accompagner, les faire s'inspirer d'autres initiatives. Un autre exemple, l'escalade sportive ou l'escalade de compétition. Si un club veut aller faire de la montagne, pareil, on pourra les accompagner au travers de l'échange et d'une logique d'essaimage, on va dire. Et puis vous redire peut-être qu'un événement comme celui-là, si Christian vient de montrer qu'il fallait du monde, c'est qu'effectivement, ça repose sur plein de gens qui se mobilisent dans l'objet de faire en sorte que vous viviez tous qui êtes là un moment d'émotion en montagne, parce que la montagne apporte énormément et je pense que vous l'aurez découvert là un peu, ou que vous y reviendrez, ou que vous y prendrez goût. Je sais qu'il y en a qui viennent là pour déjà depuis plusieurs fois, il y en a qui sont tout nouveaux. C'est juste ce petit déclic qu'on a envie de faire naître chez vous, ce petit désir de montagne, ce désir de revenir, ce désir de découvrir le milieu, de découvrir ce que c'est que la montagne, ce qu'elle peut vous apporter. Donc rendez-vous l'an prochain à Chamonix, on l'espère. Et puis on est monté à l'église du Midi, et puis ensuite on a fait un atelier où on a glissé sur la neige. On a mangé. On a mangé. Parce que bon, l'altitude à 3800 mètres, ça nous tourne un peu la tête. Aujourd'hui, on a fait, on a pris le téléphérique du Grand Montais et on a fait la petite verte. Tour du temps parce que ça change tout le temps. Saint-Julien-en-Genevois, c'est à côté de Genève et du coup, on n'est pas tous très pressés.